salut tout le monde, Sacré l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour une construction de fontaine à eau automatique. C'est la première. Bon, vous allez voir que c'est pas difficile, il suffit de regarder la vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre. Allez, pour cela, il me faut un capteur de lumière. Parce que ce sera que je souhaite que ça fonctionne que pour la journée et la nuit ça s'éteint. Bon, je vais les prendre après à la fin. Donc pour l'instant je vais prendre un béton de bloc béton blanc pardon. Je vais prendre plusieurs et je vais prendre diorite poli. C'est ce qui va me faire le sol. Après pour la déco, enfin j'ai besoin de lumière aussi pour la fin. Et on a besoin, enfin j'ai besoin aussi d'un piston. Vous allez voir vous allez voir dans la vidéo pourquoi j'ai besoin d'un piston. Pour commencer, je vais commencer le sol. Donc le sol, je le fais en diorite poli. Hein. J'espère que j'en ai assez. Normalement, j'en ai assez. Hein. Voilà, j'ai fini le sol de ma fontaine à eau. Maintenant, je vais attaquer le tour. Le tour, bah, je vais mettre en béton blanc. Donc, je vais faire le tour comme ça. Et après, je vais faire la modification plus tard. Donc, le tour, ça va être comme ça. Hop là, voilà. Voilà, le tour est fait. Là, ça va être mon tour. Le tour est comme ça. Hop, maintenant, je vais casser l'extrémité parce que je vais pas faire exactement au carré. J'aimerais bien faire un petit peu différemment. Différent. Ça va faire une sorte d'octogone. Comme ça. Le tour est fait. Maintenant que j'ai fini le tour, bah maintenant je vais imaginer l'axe. Donc dans l'axe, hop, non, j'ai mal fait là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 qui tombe là, ici. 1, 2, 3, 4. Ah bon, j'ai mal compté, je pense. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est bon. Le compte est bon. Alors, maintenant que j'ai le milieu, il faut que j'imagine... Donc, le milieu, là, c'est l'eau qui va tomber. Hein. Donc, je vais imaginer de deux côtés... Hop, je vais monter comme ça. Je vais monter comme ça aussi. Et l'eau, normalement, elle doit tomber au milieu. Alors, ici, je vais faire comme ça. Non, il faut que je monte encore plus là. Je vais monter encore plus. Voilà, hop. Ici, je vais casser. Faut que ça tombe comme ça. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Bon, de toute façon, je vais casser après. Hein. Je pense que je suis un peu... Non, non, c'est bon, ça va. Je croyais que j'étais un peu trop haut, mais il fallait juste que je casse ça. Ici, je dois casser. Là aussi. Et là aussi. Donc ici, je vais casser. Et voilà. Donc là,
Si je casse là aussi. Voilà. Je pense que j'ai mis un peu trop haut. Enfin, j'y pense, je sais pas. Non, normalement, ça devrait y aller. Si je pousse là, je bloque là, ça doit être bon. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre pour le design, hein, pour faire de chaque côté. Normalement, ouais, je vais continuer pareil, mais je casserai après. Hop, comme ça. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse comme ça. Comme ça, et le côté pareil. Bon, il est un petit peu bizarre, hein, Fontana, comme fontaine à eau, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Il est un petit peu bizarre, mais j'aime bien. Bon, maintenant je vais casser au milieu. Alors, je casse là. Je casse comme ça pour que ça fasse comme ça. Et ici, il faut que je casse. Voilà. Vous allez voir pourquoi je casse par là. Maintenant que c'est fait autour, je vais prendre les dalles d'acia. J'aime bien les dalles d'acia. Je vais faire le tour avec, comme ça, pour que ça fasse un peu joli pour le tour. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, il faut rajouter les mécanismes. Maintenant que c'est fait, ça, ouais, je vais rajouter les mécanismes. Les mécanismes, c'est pas, ça va pas être compliqué, mes amis. Je vais juste prendre capteur de lumière et seau d'eau, j'en ai déjà. Juste un piston et un redstone. Maintenant, il faut que je monte en hauteur. Est-ce que j'ai de la terre pour monter? Ouais, j'ai de la terre pour monter en hauteur. Voilà. Maintenant que je suis en hauteur, bon, je vais mettre ça pour éviter que je tombe. Donc, le piston, il faut qu'il va du côté où vous voulez bloquer l'eau. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé le moyen pour faire d'autres manières, hein. Je viens de remarquer qu'il faut que je rajoute quelque chose, je rajoute du béton comme ça. Ah non, c'était bon, et autant pour moi. Ici et dans chaque extrémité, ouais, j'ai oublié que je dois rajouter du béton pour chaque extrémité pour que ça fasse joli. Voilà, comme ça. Donc du coup, ici, j'ai rajouté derrière. Donc là, j'ai rajouté capteur de lumière. Juste ça. Et j'ai rajouté du redstone. Donc redstone, il va bloquer. Voilà, il va bloquer comme ça. Et maintenant, je vais mettre de l'eau ici pour que ça soit bloqué. Donc vous avez imaginé. Maintenant je vais enlever, hop, ça va couler. Là ça coule. Donc je veux que ce soit pour la nuit. Donc la nuit, une fois que ce sera la nuit, bah, le piston il va se mettre en action et il va boucher. Bah, l'eau il va éviter, il va arrêter de se couler tout simplement. Donc là, on a la fontaine à eau automatique, mes amis. Comment vous trouvez la fontaine à eau? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Comment vous le trouvez? C'est simple, mais je trouve que c'est pas mal, hein. Maintenant, je vais finir le tour. Bah, pour le tour, bah, je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais mettre pour le tour? Je vais mettre du planche d'acia, d'acacia, pardon. Tout le temps, je me trompe. Hein. C'est d'acacia, mais s'il vous plaît. Hop. Ah, j'ai plus de... Ah si, j'en ai encore.
Pour les gens qui adorent regarder mes vidéos, je pense que vous connaissez que pour la finition, je mets toujours un contour. Je trouve ça joli. Voilà. J'ai terminé de faire le tour. Maintenant, je vais mettre un petit peu de décoration. Je vais prendre... clôture en acacia et je vais prendre lanterne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre, hein? J'ai oublié de prendre chêne. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, feuille de chêne. Pourquoi j'ai dit chêne? Bon, maintenant je vais mettre de la lumière en hauteur, hein, pour éviter que ça spawn des zombies ou des creepers, parce qu'ils sont vraiment très très chiants de ce côté là donc ici je vais rajouter vite fait du lanterne là, de ce côté là, de ce côté là et de ce côté là. Je sais pas si j'en ai besoin, mais je vais mettre quand même. Voilà, vous avez entendu, là il va faire nuit, donc du coup il s'est déclenché et voilà, il n'y a plus d'eau, l'eau elle est bloquée par le piston, donc du coup ça coule plus, n'est-ce pas génial mes amis? Voilà, je viens de me réveiller, il fait jour, là l'eau il se remet. Ah franchement, je suis content de moi là, je suis vraiment content de moi. Je termine avec l'arbre. Ah, ça fait petit quand même comme l'arbre, je pense que je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça, des deux côtés. Est-ce que je vais rajouter en dessous, hein? Je vais rajouter en dessous. Ah, je vais rajouter encore au-dessus. Et voilà, le tour est joué. Et voilà la décoration à côté. Et puis ici, fontaine à eau entièrement automatique. Mais j'aurais bien aimé propulser par l'air, enfin vers le haut. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut pour l'instant sur Minecraft. Enfin, au niveau des constructions, on peut construire comme on veut. Enfin, presque comme on veut. Mais au niveau de mécanique, bah, il faut travailler votre imagination et puis voilà. J'ai pas d'autre chose à rajouter pour l'instant. En tout cas, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'oubliez pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!